Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaries, des chars d'embray. Encore une nouvelle vidéo, cette fois-ci les amis, on va un peu s'orienter sur des canaries. On fait souvent des vidéos concernant les chars d'embray, mais faut pas oublier qu'il y a aussi des passionnés de canaries sur la chaîne, donc de temps en temps je vais essayer d'alterner. Donc les amis, là tous les oiseaux ils sont sortis de mue, donc là il s'agit d'un UP allemand de 2022, les amis, de cette saison. Donc voilà, donc c'est pour moi c'est une femelle. Voilà, j'ai déjà réussi à sexer une partie de mes jeunes et l'autre partie j'attends encore un peu. Voilà, donc un peu coloré, coloration orange. Voilà, donc avec une huppe atypique, hein, donc c'est pas la huppe de l'arlequin portugais. C'est pas la huppe du Corona. Voilà. Donc je vous ferai une vidéo plus tard sur les deux espèces de canaries que j'élève. Donc la huppe de l'arlequin portugais est triangulaire. Et celle du huppé allemand, elle est atypique à l'espèce des amis. Donc aujourd'hui, en fin de mue, donc moi j'ai pas de chauffage cette année. L'année dernière aussi, je l'avais installé, mais il s'est rarement allumé. Donc cette année, j'ai décidé de ne pas mettre le chauffage, les amis. Et donc du coup, je ne mets plus le bain à la même fréquence que les années précédentes. Donc à savoir que les années précédentes, je mettais le bain une journée sur deux, pendant tout l'hiver. Mais parce qu'ils avaient le chauffage plus ou moins à 12-13 degrés. Donc ce matin, je suis rentré dans la salle, il faisait 9 degrés. Et donc du coup, je mets le bain une fois par semaine, le week-end. Voilà, donc hier, ils ont pris leur bain. Voilà, donc j'ai changé le papier de fond, le carton de fond. Et donc du coup, aujourd'hui, comme ils ne prennent pas trop le bain, les amis, leurs pattes, elles vont avoir tendance à sécher. Voilà, donc là ça va, mais je vais vous montrer deux canarettes où leurs pattes commencent à sécher, c'est tout à fait normal. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste éviter que les acariens puissent s'incorporer en fait dans les écailles. Et ça se transforme par une gale ou par un problème de pattes, les amis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les traiter, hop, toujours avec le même produit. Donc si vous vous rappelez, avant la période de reproduction, j'avais traité avec ce produit-là. Donc là, comme je leur donne le bain une fois par semaine et c'est pas assez pour hydrater la peau, surtout celle des pattes, celle autour du bec et autour des yeux, bon bah je vais prévenir et je vais appliquer une goutte d'ivermectine à 12% les amis, hop, derrière la nuque. Les amis, par la même occasion, j'essaye de checker leur ventre, j'essaye de checker les ongles, j'essaye aussi de checker le bec. Voilà, donc une fois par mois, je les prends. Voilà, une autre femelle, les amis. Celle-ci, on dirait qu'elle est un peu ivoire. Voilà, donc elle a un effet de profondeur. Hop. Voilà, une très belle huppe. Donc du coup, pareil, profitez, tant que vous les attrapez dans les mains, profitez pour checker tous les amis, le bec, les yeux, les pattes, les ongles, le ventre, l'abdomen, le bréchet, et en même temps, appliquer une goutte. Voilà. Donc encore un huppé allemand, et les amis, celui-ci je l'avais laissé dans la volière des femelles exprès, j'avais un doute. Donc voilà, donc pour ceux qui ne savent pas comment je sexe, je vous recommande de regarder une vidéo de l'année dernière, comment sonder les mâles et les femelles. Donc moi quand j'ai un doute, je mets les mâles, les jeunes mâles dans la volière des femelles et j'attends qu'ils puissent être excités et qu'ils puissent faire des appels. Donc un premier sexage, c'est pour ça que je leur donne de la coloration. En fait, un premier sexage, il est lié à la coloration. Donc lui, il a bien pris la coloration. Voilà. Donc c'est rare les femelles qui vont fixer toute cette coloration à cet âge-là. Voilà. Donc déjà, ça c'est un premier indicateur. Donc pour moi, c'était un mâle.
Deuxièmement, je l'ai vu un petit peu chanter, les amis. Et troisièmement, il est un peu moins gras que les autres que j'ai attrapés. Voilà. Donc, premièrement, c'est la coloration. Donc, ça donne un indice sur le sexe. Les mâles, ils fixent toujours plus de colorants que les femelles. Deuxièmement, c'est le chant. Mais comme ils sont encore jeunes, le chant, il n'est pas vraiment top. Et troisième chose, les amis, c'est le niveau de gras. Il est dans la volière des femelles, il s'est engraissé un peu moins. Donc celui-ci, il a deux plumes mélanisées ici. C'est bon, donc lui, je vais le mettre avec les mâles parce que je suis persuadé que c'est un mâle. Donc encore une femelle, les amis. Donc vous voyez, elle fixe moins de colorants que le mâle. Voilà, donc elle n'a pas beaucoup de colorants, ni sur la poitrine, ni sur les épaules. Voilà, donc une huppe moins prononcée que les mâles. Et moi, je le sens quand je les prends dans mes mains, je sens si c'est un mâle ou une femelle. Il y a toujours de l'incertitude, les amis, parce qu'elles sont beaucoup plus grasses. Les femelles, à ce stade-là, elles sont beaucoup plus grasses. Voilà. Donc ici, nous avons un arlequin portugais, collier les amis, voilà, et donc vous voyez très bien que sa huppe n'est pas du tout celle des huppés allemands, elle est un peu triangulaire les amis, alors, vous voyez qu'elle n'est pas arrondie et c'est pareil, le huppé allemand il n'a pas une huppe arrondie comme le corona. Vous voyez les toupets ici derrière. Voilà, donc ce qui veut dire qu'à l'arrière, elle est beaucoup plus large que devant, les amis. Ok? Donc c'est pareil, on va lui appliquer une goutte. Il faut bien l'appliquer sur le derme, les amis, et pas. Et les harlequins portugais, les amis, vaut mieux qu'ils soient panachés dans les pattes aussi. Hein. Pas que sur les plumes. Voici une autre femelle. Donc au toucher, dans mes mains, je sens que c'est une femelle. Elle est vraiment trop grasse. Hein, donc vous voyez sa huppe. Elle n'est pas cercle. Elle a un toupet là derrière, en fait. Voilà. Elle est décoiffée derrière, mais par contre, elle n'est pas triangulaire. On dirait un demi-cercle, les amis. Si je cache le toupet, on dirait un demi-cercle. Elle n'a pas une base plus large à l'arrière que devant. Voilà. Donc c'est pareil. Donc une femelle huppé allemand, mais sans la casquette, les amis. Donc c'est un oiseau de posture déjà. Sans la huppe, c'est un oiseau de posture. Hein. Il a la poitrine vraiment très remontée. Là, ça se voit que c'est une femelle. Et sa tête, ça se voit que c'est une femelle. Donc, c'est pareil, on lui applique une goutte. Voilà. Donc, les amis, voici ce dont je vous parlais. Donc, vous voyez ici, ça, c'est une déshydratation de la patte de la femelle. Voilà. Déjà, en ce moment, moi, je ne mets pas beaucoup de bain parce que dans la même salle, j'ai des chardonnerets pour éviter que le taux d'humidité monte trop haut. Donc, je mets le bain une fois par jour avec la VMC à fond. Et déjà, à la base, cette femelle, en fait, ne prenait pas son bain, n'aimait pas prendre le bain. Et en plus, je le mets une fois par semaine aujourd'hui. Donc, ce qui fait que ses pattes, elles deviennent comme ça. Et ça, c'est ni la gale, ni rien du tout. C'est juste la peau qui est desséchée, mais par contre ça peut faire venir les acariens. Donc les acariens, ils vont profiter des écailles ouvertes comme ça pour rentrer là-dedans et causer des problèmes comme la gale, etc. Donc là je vais traiter, c'est pour ça que j'ai décidé de traiter tous mes oiseaux. Voilà, donc là vous pouvez soit lui appliquer en fait une pommade ou de la vaseline 2-3 jours de suite et ça va partir. Ou bien comme moi. Donc là, je vais traiter tout l'élevage avec l'ivermectine. Et puis, c'est bon.
là c'est un mâle. Voilà, donc c'est un mâle. Vous voyez qu'en termes de coloration, il est toujours beaucoup plus prononcé que les autres. Et donc du coup, c'est ça le deuxième oiseau en fait. Donc vous voyez, c'est pas de la gale, c'est pas de la carrière encore, mais par contre ça, si on n'hydrate pas la peau, ça va se transformer par une gale, voire des problèmes de peau liés aux acariens, les amis. Les acariens, ils attendent que ça. On a tous des acariens dans nos salles d'élevage, mais ils attendent que ça. Donc du coup, je vais en profiter pour lui couper les ongles. Voilà. Donc lui, ça va, comme il a les ongles blancs, on voit très bien où est-ce qu'il faut couper. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, vous voyez que ici il y a une veine à l'intérieur, elle s'arrête là, et moi je vais couper là, les amis. Pas besoin d'aller plus loin. Vous voyez aussi la veine, elle s'arrête là, et moi je vais couper ici. Voilà, donc ceux-là aussi je vais les couper parce qu'ils sont tout petits. Voilà, donc je lui applique une goutte d'ivermectine et puis je le relâche. Donc les amis, encore un autre harlequin. Il est énorme celui-ci dans ma main. J'ai du mal à l'attraper. Voilà, donc celui-ci, il est né chez moi. Regardez comment il fixe bien la coloration. C'est pareil, je vais lui couper les ongles. Des fois ça peut être aussi, vous pouvez utiliser un coupant, vous pouvez utiliser des trucs spéciaux pour les oiseaux, les amis. Donc là je les coupe n'importe comment, mais par contre en période de reproduction il faut que je fasse attention de bien les couper perpendiculaires. Comme ça, vous voyez, là, je les ai coupés perpendiculaires, les amis. Attention, je vais essayer de faire zoomer. Voilà, là, ils sont perpendiculaires. Ils ne sont pas en biais. Ils ne génèrent pas une pointe. En période de reproduction, c'est comme ça qu'il faudra les couper. De telle façon à supprimer les pointes. Donc, les amis, un autre huppé allemand. Donc, lui, il n'a pas fixé du tout la coloration. Donc comme vous voyez, donc lui pendant des années on a dû le sélectionner pour être blanc pur. C'est pour ça il n'a pas dans ses gènes la fixation des colorations, alors qu'il a j'ai pas en fait plusieurs batteries. J'ai une batterie de mâle, une batterie de femelle, et je leur donne le colorant tous les deux. Donc, comme vous voyez, donc celui-ci, j'en ai encore d'autres blancs dominants comme lui. En fait, ils n'ont pas fixé le colorant alors qu'il mange la même chose que les autres. Tout simplement, en fait, c'est un facteur génétique. Pendant des générations, l'éleveur, donc c'est Gilles Le Gall, il a dû sélectionner les huppés allemands blancs pour qu'ils soient le plus pur possible. Donc c'est pour ça, en leur donnant sur une seule saison la coloration, c'est pas assez. Donc ils n'ont pas le facteur génétique pour fixer le colorant. Alors que les jaunes, ils ont un facteur génétique pour fixer le colorant jaune, mais j'ai réussi à fixer le colorant rouge. Mais ils ont déjà un facteur qui fixe le colorant, les amis. Alors que les blancs, pas du tout. Donc pour passer d'un blanc à un rouge, il faut 4 ans, 5 ans de coloration, les amis, pour qu'une génération à une autre puisse donner un petit pourcentage de fixation et arriver en fait sur des générations avec un pourcentage de fixation beaucoup plus élevé, les amis. Voilà, les amis, un autre huppé blanc. Voilà, vous regardez, lui, à peine il a fixé un tout petit chouïa de colorant, mais qui se voit même pas. Donc ce n'est pas assez. Et si vous regardez, moi je les regarde de près des fois, je regarde même la plume sous microscope pour voir ce qui se passe. Donc au début, la coloration, elle était collée au rachis, et petit à petit, en fait, elle s'est éloignée. Voilà, donc lui, par exemple, il sera du chimel plus tard. Si je continue à le colorer d'une année à une autre, en fait, il va donner des intensifs, parce que le colorant, il est vraiment sur la périphérie de la plume, pas des chimels, des intensifs. Et on le voit, hein, quand je prends
une plume, on voit très bien que la plume n'est pas aussi large que, voilà, elle est un peu serrée, elle n'est pas aussi large que le chimène. Le chimène, il a des plumes aussi grosses comme ça. Ok, voilà, donc par la même occasion, j'essaie de vous expliquer des choses. Donc vous voyez la huppe, elle est différente du huppé allemand. Et vous voyez aussi, donc c'est lui le troisième et le dernier qui a, voilà, une peau desséchée. Voilà, donc ça, soit vous lui appliquez de la vaseline. Donc là, c'est pas une maladie, c'est juste, il manque en fait d'humidité dans la salle. C'est pour ça, le mieux, c'est d'avoir une salle pour les chardonnerets, une salle pour les canaries ou une salle pour les tarins. Parce que toutes les espèces n'ont pas les mêmes besoins. Donc là, en hiver, pour une histoire d'économie, les amis, j'ai mis mes canaries et mes chardonnerets dans la même salle. Donc je ne peux pas me permettre d'augmenter l'humidité pour les canaries. Ça peut impacter les chardonnerets. Voilà, donc quand l'humidité est trop supérieure en hiver, en fait, ça favorise la circulation de certains germes dans l'hémeria, la coccidiose. Et la prochaine vidéo concernant les maladies, on va revenir sur le sujet de la coccidiose des amis avec des traitements en libre service. Bon, les amis, c'était Canary du 28. J'ai essayé de partager avec vous l'activité de ce week-end-là. J'espère que cela vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Les amis, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.